Oh non! Oh c'est pas po- oh, c'est pas possible! Oh non! Un carnage! Un carnage! Salut mesdames, messieurs! Bienvenue dans mon poulailler préféré, mais là c'est l'horreur! L'horreur! Une attaque! Dévorée! Tuée! Oh non, c'est pas possible! Non, toutes mes poules sont mortes! Toutes mes poules sont mortes, mesdames, messieurs, c'est une horreur! Une horreur! Oh non, il y en a une qui est là, qui vit! Oh, mesdames, messieurs, c'est une catastrophe! Une catastrophe! J'ai toutes mes poules qui ont été dévorées! Dévorées, regardez! Celle-là! Oh là là! Oh non! Oh non, mon Dieu! Et les chiens qui étaient là! Alors là! Oh! Oh, c'est pas possible! C'est ma mascotte! Perle! Oh mon Dieu! Oh, il y en a une qui est là! Oh, je suis vraiment atterré! Je suis consterné! Une attaque! Une attaque dans mon verger! Et là, il y en a une! Une qui survit! Qui a dû prendre la fuite! Qui s'en est sortie! Et là aussi! La jeune! Qui arrive à toute vitesse! Où est le coq? Le chien n'a rien vu! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Deux poules! Il me reste plus que deux poules! Où est le coq? Oh mon Dieu! Où est le coq? Oh, la plume partout! Je découvre avec horreur! Regardez ce qui s'est passé! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là 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 là, non! Non, regardez, il y a des poules, il y a des plumes partout! Qu'est-ce que c'est? On va voir ça. Regardez ici, même ici! Il est revenu, c'est le renard! C'est pas possible! C'est le renard! Regardez, il y a des plumes partout par terre! Le renard est revenu! Regardez, il y a des. Que plus que deux poules! Le coq a dû se faire tuer, c'est pas possible! Oh là là, non mais c'est. C'est incroyable. Oh, je suis atterré là. Atterré. Il y en avait une qui bougeait là-bas. Je vais aller voir. Il n'en reste plus que deux qui ont réussi à se sauver. Ou alors, je vais appeler tout de suite mon ami le piégeur Jean-Marie. Plus que deux poules ici, de toutes les manières en visu. Regardez, il y a des plumes partout. Le parcours de l'auteur des faits, du drame. Le drame. Regardez ça, le coq a dû se battre. Le drame, des plumes partout, je ressasse et ressasse. Regardez ça, regardez les attaques. Là, regardez, on peut voir le parcours criminel. Oh, c'est criminel. Et où est le coq? Ma chienne, c'est pas ma chienne qui a pu rentrer et dévorer et tuer toutes les poules, c'est pas possible. C'est pas elle. J'espère que c'est pas toi le renard, parce que sinon, je les amènerai plus ici, c'est pas possible. Oh non, je vais retourner voir et la scène de crime. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas la chienne. La chienne a pas pu passer ici, là, le long du grillage. Elle est pas passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Elle est encore chaude? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a une rigidité cadavérique. Regardez. Oh, ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Non, regardez. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Ah, elles sont rigides. Elles sont déjà rigides, chaudes. Rigides, il est... Quelle heure il est? Il est 18h. Là, on voit un énorme croc ici. Énorme croc. Là, on voit un croc. C'est pas la buse, tout ça. Ça, c'est un animal canidé. Regardez. Oh là là, mes poules préférées. Et là, on a une poule qui est encore vivante. Ça, c'est l'allemande, la Leghorn, qui avait fui la dernière fois, qui avait réussi à s'échapper.
Oh, c'est pas possible. Et là, elle a été. Et là, regardez. Regardez les crocs ici. C'est une mâchoire, ça. Et elle est sévèrement blessée. Regardez là. La pauvre. Elle est blessée. Est-ce qu'elle sait, elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Mon Dieu, non, elle va pas s'en sortir. Elle est complètement blessée, regardez. Oh mon Dieu. Elle va mourir. Oh mon Dieu, c'est pas vrai, pauvre poulette. Oh, c'est pas possible. Regardez, le cri de détresse. Elle est complètement blessée, la pauvre. J'espère qu'elle va s'en sortir. Oh là là. Oh ma pauvre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, il faut que je mette de l'huile. Je pense qu'elle est, elle est foutue. Oh là là. Oh, regardez le carnage. Oh, le carnage. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je vais appeler. C'est un carnage, un carnage. Où est le coq? Où est le coq? A disparu, le coq. Où est le coq? Elle s'en sortira pas, elle. On va essayer de la traiter. Regardez, c'est un carnage, messieurs, dames. Un carnage. Je suis consterné. Où est le coq? Le coq qui a dû se battre. Où est-il? Où est-il, ce coq? On va appeler mon ami chasseur qui va venir et on va voir ce qu'on va faire. Cette poule-là, il faut essayer de lui mettre, de la sauver s'il n'y a rien de cassé ou de broyé. Elle a pris des crocs ici, vous voyez. Elle ne va pas s'en sortir, la pauvre. Regardez les blessures. Je vais essayer de la soigner. Mais je pense que c'est fini pour elle. Je pense que c'est fini. Oh, mon Dieu. Quelle horreur. Excusez-moi, je vous laisse sur ces images d'horreur. Je vais vraiment appeler vite fait Jean-Marie, le chasseur-trappeur, parce qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose là. Et puis plus les sortir, enfin plus ce qui reste, il ne me reste que plus que 2 poules, et essayer d'élucider cette affaire pour savoir si c'est un renard, s'il l'a emporté, si là-bas, comme on avait mis des pièges, je vous avais montré, si en effet il a pris la fuite de ce côté-là, du même côté, et pourtant je vois la cagette verte là-bas au bout, qui est toujours ouverte. Il n'y a plus de... On va mettre des poules mortes là-bas pour essayer de le capturer. Bon, ben sur ce, je vous laisse. Et puis, je suis vraiment indigné, consterné. Quel massacre. Alors, vous voyez la difficulté d'avoir des poules aujourd'hui à la campagne. Eh ben alors, c'est une difficulté de tous les jours. Et puis, ça fait de la peine, ça fait mal. Alors, il y a des fois, on est vite découragé pour garder un poulailler en bon état, sain. Et on se dit, ben, finalement, vaut mieux peut-être les laisser encagés dans une cage ou dans un parc clôturé, mais où la liberté, juste le temps d'y être et de les surveiller. Parce que vous voyez, c'est pas possible, on est envahi de prédateurs en plus. Les prédateurs eux-mêmes n'ont pas de prédateurs. Donc c'est ça qui est incroyable. Les prédateurs eux-mêmes n'ont pas de prédateurs. Alors il y en a qui critiquaient la réimplantation des loups dans certaines forêts de France. Bah, je peux vous dire une chose, c'est qu'on est en train de se dire, bah, au final, ça a du bon. Alors je sais bien que ça fait grogner un peu tout le monde. Mais parfois, ça fait du bon parce qu'il régule en effet certaines espèces. Et aujourd'hui, vous savez que dans nos forêts françaises, souvent les renards pullulent, les sangliers pullulent, ils n'ont aucun prédateur, et je ne fais pas l'apologie de la chasse, mais malheureusement, ce n'est pas la chasse qui contient et qui régule les effectifs de ces espèces qui pullulent. Et forcément, ça crée des déséquilibres dans la nature et dans l'écosystème. Sur ce, je vais m'occuper de mes 2 petites poules et voir ce que je peux faire avec la poule qui est blessée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, au plaisir. Merci.